lettre ouverte aux miliciens au service de la finance, se prétendant policier républicain. Il fut un temps où le peuple vous nommait gardien de la paix. Gardien de la paix. Mais il y a belle lurette que l'agent de police en képi, avec son bâton blanc, a fait place au Robocop, surarmé, déshumanisé. Sauf lorsqu'il insulte copieusement un manifestant ou un contrevenant qu'il matraque et gaze avec hargne. Vous ne vous sentez pas aimé. Mais comment le seriez-vous? Alors que, loin de représenter l'ordre républicain, vous défendez une caste, une oligarchie, une néo-aristocratie de parvenus constituant une véritable mafia, mettant en coupe réglée les richesses de la planète. Vous n'êtes pas représentant de la force publique, mais les chiens de garde d'intérêts privés. Vous n'êtes pas gardien de l'ordre, mais mercenaires honteux d'un désordre institutionnel. Vous n'êtes pas les défenseurs des citoyens, mais les exécutants de basses œuvres inégalitaires. Voilà ce que vous êtes! Vous êtes ainsi les indignes représentants de ceux qui raflèrent les Juifs sous les ordres de Bousquet, assassinèrent sous la férule de Thuillier, participèrent aux ratonnades ordonnées par Papon. Et si demain, un quelconque castanère, une merde, vous donne l'ordre de tirer dans le tas, vous le ferez sans scrupule, arguant comme toutes les ordures de votre espèce que vous ne faisiez qu'exécuter des ordres. Tiens, voilà que je m'énerve. Vous avez transformé pour complaire à vos maîtres un difficile et beau métier en vile besogne de misérables capots. Messieurs, je ne vous salue pas.